Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Shark Bite 2 qui est sorti depuis quelques jours, donc c'est le même principe. Il va falloir du coup survivre à un requin, et quand on incarne le requin, il faudra tout simplement tuer tous les survivants, sachant qu'on pourra du coup récolter des dents de requin pour customiser notre bateau, pour débloquer des nouveaux bateaux, des nouvelles armes, ou alors tout simplement acheter aussi des nouveaux requins. Sachant que je vais vous présenter un peu du coup les inventaires, les armes différentes, les requins différents qui sont présents dans le jeu. Sachant que évidemment comme le jeu vient de sortir depuis quelques jours seulement, il va y avoir pas mal d'updates. Et donc let's go, j'espère que ça vous plaira. On va découvrir un peu les nouveautés, donc déjà on voit la vitesse. Alors là je suis vraiment avec le bateau de base. Alors là on a affaire à un grand requin blanc, ok c'est parti. Ok, par contre je sais pas pourquoi il perd de la vie, ok. Donc ça fait 3 games d'affilée en fait, où le requin meurt instantanément, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a un mec qui est AFK, et du coup ça le... D'accord, c'est bizarre. Dans tous les cas, on va regarder les bateaux différents. Donc on a le petit bateau de base, on a le bateau de pêche, on a le bateau canard, le bateau licorne, ok. Donc sachant qu'il y a 3 stats, il y a la vitesse, l'agilité et la taille. Donc le bateau bleu, le bateau donut, what the fuck. Il y a 2 donuts. Ok, le dracar. Le petit bateau, ok. Qui a l'air d'aller assez vite. On a le sloop, le tugboat. Ok. Le petit bateau à moteur. Le canard doré. Le catamaran. Le jet ski qui a l'air d'aller ultra vite. What the fuck. Et le marlin. Waouh. Regardez la speed est à fond là. Alors, c'est parti, sachant que comme dans Shark Bite 1, en fait, au fur et à mesure qu'on va jouer des games, on va avoir de plus en plus de chances d'être choisi en tant que requin. Donc on va voir si on peut faire une game contre un joueur requin qui n'est pas AFK, enfin qui meurt pas instantanément, on verra bien. Je rappelle que notre objectif, c'est de tuer le requin quand on est survivant, hein, comme dans le premier. Alors, pass the bomb, attendez quoi? C'est une quête? Ah non, ok. Alors est-ce que le joueur... Oh, c'est une orque! Je rappelle qu'on dit une orque quand on ne connaît pas le sexe. Ah, c'est énorme! Ah bah c'est stylé. Ah voilà, parfait. C'est parti. Donc là, on voit la barre de vie du requin, ce qui n'était pas présent dans le Shark Bite 1. Ah d'accord, donc il y a une bombe. Ok, stylé. Sachant que je rappelle qu'on peut être plusieurs dans un bateau. Hein. Alors, hop là. On va tester. Ah bah non. Encore une fois, what the fuck, il y a un mec qui a un fauteuil roulant. Je sais pas ce que ça fait. Ok, bon bah je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les joueurs de requins quittent les parties. Alors au niveau des armes, on a le tromblon, on a une sorte de sniper, ok. On a un lanceur de ballon d'eau. On a la Thompson, avec le fameux camembert recharge là. Double barrel, ok. On a le harpon. Le coconut launcher, énorme, le lanceur de noix de coco. On a le rocket launcher, lance-roquette, hein. Et pour finir, le Shark Blaster. Ok, intéressant. Alors, dégâts, bah, c'est les dégâts. Rate, ça doit être la vitesse d'attaque. Et accuracy, c'est la précision. Ok, sachant que l'arme la plus puissante du jeu actuellement coûte 12 000 dents. Ok, d'accord. Après, en jouant au jeu, ça doit monter assez vite. Au niveau des requins, pour l'instant, on a 4 requins différents. Il y a le grand requin blanc, le requin marteau, un de mes requins préférés. Sachant que là, il y a la vitesse, la vie et la taille du requin. On a le requin mako, le délicieux requin mako, et l'orque. Ok, intéressant. L'orque qui est vraiment pour l'instant l'espèce la plus puissante du jeu. Je rappelle que normalement il devrait y avoir des updates assez récemment, parce que... assez souvent, parce que comme le jeu vient de sortir... Ah, attendez quoi? Attendez quoi? C'est moi qui jouais le requin? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Pourquoi j'ai perdu de la vie là? Ok, j'ai pas compris, il se passe des trucs bizarres. Hein. On était requin, mais on a perdu la vie automatiquement. Il y a un bug là, c'est pas possible. Il y a un gros bug. Attendez, c'est quoi ça? Sachant que maintenant, la nouveauté, il me semble pas qu'on pouvait faire ça dans le 1. On peut carrément customiser notre bateau. Donc ça, c'est plutôt stylé pour le coup. Donc on peut partir d'une base de bateau et ensuite le customiser. Et du coup, on va checker un peu ce qu'on peut faire. What? On peut carrément faire un bateau militaire là? Avec un porte-avions et tout là. Ah, c'est stylé hein. Le speedboat. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut customiser quoi là? Il y a la turbine. Ah, peut-être qu'on peut pas encore y avoir accès. Faudra peut-être attendre une mise à jour. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose là. Ah, là je peux pas. Là c'est la coque.
Ah, je peux rien faire en fait. Ah, donc à mon avis, peut-être plus tard, on pourra rajouter des bateaux, on pourra peut-être changer la couleur et on pourra carrément rajouter peut-être des armes sur le bateau. Ok, intéressant. Bon, par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Attendez. Parce que là, on était le requin, on est d'accord, hein. Et ça m'a tué instantanément, c'est pas normal. Alors peut-être qu'il y a des cheaters, je sais pas s'il y a des cheaters sur le jeu, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt de cheater dans un jeu comme ça, mais bon. Ok, on se retrouve, du coup j'ai changé de partie en espérant que ça aille. J'ai l'impression que c'était une game où il devait y avoir des cheaters, je sais pas, c'est assez bizarre. On verra bien dans tous les cas, on va quand même essayer de faire une game en requin et en survivant. Mais en attendant, on va checker un peu la map. Regardez la map du hub du jeu, elle est vraiment stylée pour le coup. Sachant que dans Shark Bite 2, il y a aussi des nouveaux modes de jeu qui n'étaient pas présents dans le 1, il me semble. C'est quoi ça? Ah, ok, intéressant. On peut acheter un flare gun. On pourra acheter une radio et tout. Ah, ça a l'air stylé. De l'oxygène, une mine. Intéressant tout ça, intéressant. C'est plutôt stylé et la map est vraiment cool, hein, regardez. Avec le bateau et tout, là, l'épave de bateau. Au niveau des armes et tout, je pense qu'on a fait le tour. Le boat builder, on a vu. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment y avoir accès. Ok. Le sniper coûte 400. En vrai, on pourrait déjà acheter le sniper, mais bon. L'arme de départ est pas trop mal. On pourrait acheter le dracar, en fait, hein. Directement, on pourrait acheter ça. Hein. Speed, size. Après, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir une grosse taille pour un bateau. Après, forcément, plus le bateau est gros, plus on pourra avoir de joueurs avec nous. Ok, bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va, du coup, inspecter la game qui se passe. On va voir un peu, on va miser sur les survivants ou le requin. Ok, donc là, on est en train de regarder le requin parfait. Donc là, normalement, cette partie a l'air de fonctionner. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Vous me direz en commentaire, peut-être qu'il y a des cheaters. Évidemment, je cautionne pas ça du tout. Ça n'a aucun intérêt de tricher, surtout dans un jeu PVP, parce que bah, c'est nul, en fait. Ok, donc il fait quoi le... Ça, c'est un grand requin blanc, du coup. Bon, il a pas l'air de faire grand-chose. On va tester, évidemment, le requin. Il me semble qu'il y avait aussi une sorte de sonar dans le Shark Bite 1. Qui permettait de repérer un peu les survivants plus facilement. Alors du coup, il reste combien de survivants là? On peut changer... Ah, comme ça. Donc là, il y a un survivant là, ok. Il est tout seul ou pas? Il y en a 1, 2, 3... D'accord, il y a 3 survivants pour l'instant. Et il reste 35 secondes au requin pour les tuer. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de les chercher. Ça me paraît bizarre, hein. Peut-être que... A mon avis, ils ont dû laisser le scan, quand même. Ah, il a fait un truc, là, non? À mon avis, il a dû utiliser une capacité spéciale. Ok, donc là, il essaye de détruire le bateau. Allez, le grand requin blanc versus le petit bateau rouge. Le bateau de pêcheur. Allez, oh, le bateau de pêcheur va vite, quand même. Hein. Après, le grand requin blanc va plus vite. Ok, il a détruit le bateau, mais il a pas encore tué les survivants, il me semble. Ok, et le requin a perdu, restait du coup 2 survivants, il me semble. Ok, intéressant. Ok, let's go, c'est parti. Donc là, je pense qu'on va jouer survivant, hein, sachant que 2% c'est mes chances. Bah non, du coup, on est à 3%. Bah, on a 3% de chances de jouer le requin, et plus on fait de game en survivant, plus les chances de jouer le requin vont augmenter. Alors, c'est parti. Ouais, on va rester avec... Oh, quoique. On va rester avec le... On va utiliser le bateau de pêcheur. En vrai, ça me plaît pas trop mal. Ok, c'est parti, let's go. Avec le bateau de pêcheur, on va voir si on peut survivre. Et là, évidemment, ça va être l'orque, l'espèce la plus vénère du jeu. Ok, c'est parti. Donc, 514 points de vie, le requin. Ah, c'est stylé, c'est la nuit, là. Ça, c'est vraiment stylé qu'il y ait des parties qui se passent de nuit comme ça. Alors, on a quoi? On a un grand requin blanc. Ok, c'est le requin de base. C'est parti. Donc là, il faut qu'on survive 240 secondes. Ou alors qu'on tue le requin. Essaye de voir où il est. Évidemment, je peux utiliser mon arme. Je crois que je peux même l'utiliser en... Ok, le requin est là-bas. Bah, j'ai l'impression, j'ai vu un... Ok, il est peut-être là-bas. Ok, je tire. Alors évidemment, je sais pas si on a des munitions illimitées. Je pense que oui, hein. Ouais, c'est ça, ok, donc on a des munitions illimitées, ok, intéressant. Alors, je sais pas si c'est le requin qui fait du bruit tout seul ou pas.
Ou alors si c'est peut-être des joueurs qui pingent la zone où ils ont vu le requin. Ok, what? Oh, le requin prend tellement cher là. Il prend des dégâts, mais je sais pas comment. Mais attendez, mais le requin est presque mort, on l'a même pas vu, c'est quoi cette arnaque là? Ok, il est là-bas. Oh, il est là-bas! Ok, c'est parti! Ouais, c'est bien ça en fait, à chaque fois que le requin fait des choses, à mon avis, ça nous indique sa position, ça doit être un truc dans le genre, ok. On n'a pas touché le requin, je pense que plus on fait de dégâts au requin, plus on gagne de dents bonus. Sachant que quand on gagne une partie, on gagne 100 dents de base. Ok, donc là, ça a l'air trop cool, il y a deux nouveaux modes, donc le mode infection. Qui fait que à chaque fois qu'un survivant se fait tuer, il se transforme en requin, de ce que j'ai compris. Et l'autre mode, bah j'ai pas eu le temps de lire, mais c'était une grosse bombe. Ça avait l'air assez stylé. On a 5% de chance d'être requin là. Ça va augmenter évidemment. En vrai, je pense qu'on va juste rester avec le petit bateau de base. Il me plaît plus. Hein. Ça sert à rien d'avoir 3 milliards de places là. Ok, c'est parti, let's go. Alors là, je sais pas si c'est le mode qui a été choisi ou pas. Sachant que c'est les joueurs qui peuvent choisir le mode, j'ai l'impression. On va regarder, on découvre le jeu. Ok, infection, parfait. Ah, c'est trop bien. Ah, ça a l'air trop cool, ce nouveau mode. Donc là, à chaque fois qu'il va y avoir un mort, on va avoir un requin supplémentaire. Allez, c'est parti, let's go. Alors, on a le grand requin blanc de base. Ok, c'est parti. Je rappelle que le requin est contrôlé par un joueur. Hein. Tous les survivants et les requins sont des joueurs dans le jeu. Alors, c'est parti. Je pense qu'on va rester avec les autres, à mon avis. On va équiper notre arme et c'est parti. On va voir si on peut survivre à l'infection des requins. En vrai, c'est un mode de jeu qui a l'air cool. Ok, il est là-bas, je pense. Ok, il est là-bas, là-bas. Alors, ça va être compliqué de le toucher. Ah non, on a déjà un mort. Ça veut dire qu'il y a deux requins déjà, là. Alors après, je sais pas si tu peux choisir un requin spécial ou alors si c'est seulement... Oh non, non, il y a déjà trois morts. Oh non, ça va être chose. Il y a déjà, normalement, si j'ai compris le mode, il y a déjà trois requins dans la map, là. Lui par contre il a un bateau beaucoup trop stylé là, il l'a custom. C'est bizarre, pourtant on a vu la custom, ça avait pas l'air de fonctionner. En plus j'ai l'impression qu'il a une arme automatique, il y a des bulles qui sortent de l'eau, je sais pas pourquoi mais ok. Allez, allez. Ça c'est chaud. Oh là là. Est-ce que vous pensez que plus la musique... Oh je l'ai touché. Ouais, il me semble que je l'ai touché, ça a fait un petit... Oh stylé, oula, oula. Il y a ma souris, oula. Allez, allez. Oh ça va être chaud, il y a déjà trois requins, c'est pas bon. Oh non. What the fuck. Je m'envole. Oh le gros bug. What. Attendez, c'est quoi ce bug là? C'est n'importe quoi. Ok, je m'attendais pas à ça. Je m'envole vers d'autres ciels. Attendez. Oh non. Ah bah, par contre là je suis pas bien. Là je suis vraiment pas bien. Ah non. Il m'a pas vu. Oh je l'ai touché, énorme. Touché, touché. Oh je suis pas bien, je suis pas bien. Ah. Il m'a tué ou pas? Ok, il m'a tué. Et donc là, voilà, on s'est transformé en requin. Donc je pense qu'on n'a pas le choix, c'est tout le temps le grand requin blanc. Sinon, ça serait trop abusé. On est des espèces améliorées. Comment on utilise l'espace? Ah, énorme! Ah, on peut sprinter du coup. Très, très cool. Alors, hop là. Est-ce qu'on a des autres compétences avec le requin? À part le sprint, j'ai pas l'impression... Après, peut-être que dans le mode infection, on n'a pas accès à tout. Donc, je pense que ça doit être les survivants là-bas. Hein. C'est parti, let's go. On a notre bonus de vitesse qui est prêt. Attendez. Il n'y avait pas un survivant dans le coin, là? Il me semblait... Ah, ok. Non. Non, ça, c'est un poisson. Je sais pas ce qu'il fout, là, mais ok. Là-bas, peut-être. Allez, on sprint. Ah, ben, on a gagné. Nickel. On a vaincu. Enfin, du coup, on a perdu plutôt, hein. Mais c'est chaud de gagner dans ce mode, hein. Parce qu'à chaque fois qu'un joueur meurt, il se transforme en requin, mais... En vrai, c'est cool. Regardez, je suis le premier. Je suis le premier des survivants. J'ai fait le plus de dégâts sur les requins. Ça, c'est cool. Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé comment customiser le bateau. En fait, il fallait juste select. Ok, nickel. Alors, on peut carrément acheter des tourelles. Oh, ça a l'air trop bien. Le canon pirate. Le double tourelle, ok. Regardez, c'est pas mal, hein. En plus, ça a l'air très très fort. Ah, ok, donc avec un petit bateau, on peut pas placer la tourelle parce qu'elle est trop grosse. Ok. Ok, ça coûte combien? 1500. Ah ouais, c'est cher, hein, par contre. Même la première tourelle, elle est pas donnée. On peut changer la peinture du bateau, ok. C'est cool. Il y a même des skins et tout, plutôt stylé pour le coup. Ça coûte pas trop cher, en plus, la peinture, hein, ça va.
Et ensuite, on peut rajouter des petits trucs comme ça. On peut mettre des bateaux, des sièges. Des bateaux. Des sièges, plutôt. Ça a pas l'air de... C'est juste cosmétique, à mon avis. Ça change pas le gameplay, hein. Par contre, les tourelles, à mon avis, ça doit changer le gameplay, hein. Là, on voit la puissance de feu, la vitesse, la précision. Ça a l'air pas mal. Ok. Alors, non, je veux rien acheter. Je veux juste participer. Ah bah, du coup, on a raté la game, je crois. Ouais, on a dû rater la game. Bon, bah, et du coup... On va aller à la prochaine. Par contre, je me demandais qu'est-ce qui se passe avec les bulles, là. Quand je bouge, je tombe. Ça détruit la bulle. Alors, est-ce qu'il y a un truc caché? Ah, énorme. Du coup, on est tout en haut, là. Et ce qui est stylé, c'est qu'on peut voir la game, en fait, en temps réel. Déjà, dans Shark Bite 1, on pouvait faire ça. Et je trouve que ça rend plutôt bien, pour le coup. Ok, c'est parti. Let's go. On va voir si on peut survivre au requin. Ah, j'aime bien quand ça se passe de nuit comme ça, là. L'ambiance est géniale. Ok, on a un grand requin blanc, c'est parti. Oh mais attendez, il y a déjà des joueurs qui lui tirent dessus ou quoi, non? C'était de la triche, ça. Alors, c'est parti. Alors, il est où? À mon avis, il doit spawn par là, je pense. Faut qu'on fasse gaffe, on a failli se rentrer dedans avec les deux bateaux, là. Ok, il est là-bas, c'est parti. Faut qu'on lui fasse un maximum de dégâts. Ok, il est là-bas. Ah, je le vois plus. Là, il y a un bateau. Attendez, il y a un joueur qui est là. Ah oui, il y a un joueur. J'ai l'impression qu'il est... Il est AFK, le mec. Oh non! Non, il m'a eu, je suis deg. Ah, il m'a eu, c'est ça, ouais. Oh là là. Ah, c'est stylé. En fait, plus le requin est proche de toi, plus t'entends la musique. Ok, what? Je crois qu'on est le premier à mourir de décès, malheureusement. On s'est fait éclater par le requin. Mais en tout cas, c'est cool, la musique. Après, il faut vraiment que le requin soit sur toi pour que tu entendes la musique. Mais j'aime bien, hein, c'est cool. Ok, le requin a gagné du coup, bien joué à lui. Ok, c'est parti, donc extraction ou infection, ok. J'ai pas vu ce qui a été choisi, on a 8% de chance d'être un requin, allez peut-être. Ah non, c'est un autre qui a eu 8% en plus. Ok, alors du coup, c'est quel mode qui a été sélectionné, on va voir. Ok, du coup, c'est le mode extraction qui a été choisi. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'en aller si on survit assez longtemps, mais je sais pas trop comment ça marche. On verra bien. Et du coup, on va affronter un grand requin blanc. Ok, donc il faut attendre un hélicoptère pour s'échapper. Ok, c'est parti. Ok, les hélicos sont là-bas. Oh non, pourquoi moi? Pourquoi moi? Non. Oh, je suis maudit. Non, pourquoi moi? Non. Oh, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, non, il m'a eu, mais je peux rien faire. Oh là là, mon dieu, le ramafail, il est total. Aïe, aïe, aïe. Ok. En fait, je crois qu'il doit cibler les bateaux les plus pourris, et du coup, comme on est avec le bateau de base. Et du coup, ça fonctionne comment, ce mode? J'ai l'impression que, du coup, les hélicos arrivent un peu plus vite pour s'échapper avant le temps imparti. Ça doit être un truc dans le genre, ok, intéressant. Ok, des abonnés nous ont rejoints. Et nous avons 10%. Oh, magnifique! Incroyable, c'est moi le requin. Je vais pouvoir bouffer les abonnés, parfait. C'est parti. Alors, ça c'est pour bouger, on peut booster. Ok, donc rien de nouveau. On a juste le grand requin blanc pour l'instant. Sachant que le requin marteau, c'est 1500 ou 1400, un truc comme ça. Ok, c'est parti, let's go! Ça fait plaisir en tout cas. On va pouvoir tester le requin. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ou pas là? Ok, on a 860 points de vie. C'est parti. Allô? Est-ce que je peux jouer? Ok, c'est parti, let's go! Let's go! Notre première game avec le grand requin blanc. Évidemment, notre objectif c'est de bouffer tous les survivants, sachant qu'ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont 12, un truc comme ça. Attendez, il y a un joueur là? Ah non, c'est la balise. Ça commence mal, ça commence très mal. On va attaquer le joueur là-bas, sachant qu'on voit l'icône des bateaux. Ok, intéressant. Le jet ski? Non, c'est quoi? Ah, c'est le canard. Ok, donc on a détruit le... Il est où le joueur? Il est là, il est là. Il est en train de sauter sur le canard. Je crois que je l'ai eu. Ok, je l'ai eu, nickel. On vient de tuer notre premier survivant. Il y a un joueur qui est là ou je rêve? Non. Non, en fait, c'est juste la balise, ok. On va sprinter un peu. Ça me mitraille un peu pour l'instant. Alors là, il y a un joueur là. What? Pourquoi c'était rouge comme ça? Je sais pas. Ok, on vient de détruire le bateau. On vient de tuer un autre joueur. Parfait.
Sachant qu'il suffit d'être en face d'un joueur qui est tombé à l'eau pour le tuer, hein, évidemment. Après, le joueur, ce qui est stylé, c'est qu'il peut vraiment sauter sur les débris du bateau. Allez là! Ok, évidemment, il y a des bateaux qui ont beaucoup plus de points de vie, qui résistent plus aux attaques du requin. Allez! Allez! Je l'ai eu ou pas? Je crois que je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu, mais what? Oh là là, on perd du temps. Ok, je l'ai eu, nickel. Il y a encore combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une petite dizaine de survivants encore. Ok, oh là là, j'ai détruit le bateau, what the fuck. Ah, il est pas mort encore! Si, le bateau est mort, je pense. Il est renversé en tout cas. Ok, le joueur est là. Ça, c'est un abonné. C'est un abonné, ça! C'est Mopul, l'abonné. Magnifique. Ok, ensuite. Il nous reste encore quelques survivants. Pas mal de survivants encore. Hein. On a encore 135 secondes, ça va être chaud. Ouais, oh, il va vite, what the fuck. Le petit bateau rouge, il a l'air de rien comme ça, mais il va super vite, what. Quoi, la vitesse de ce bateau. Ok. Ah, c'est cool, il y a un cycle jour-nuit comme ça dans la game. Ok, intéressant, je savais pas. Est-ce que le joueur est mort? Je crois pas, hein. Ok. Ah, j'ai détruit son bateau, là. J'aime bien que les débris des bateaux comme ça, là, restent flottes et tout. Plutôt stylé avec l'interaction de la physique du jeu, ça rend bien. Bon, par contre, on perd du temps. Ok, on sprint. Voilà. Ok, j'ai renversé le bateau. Je crois que je l'ai tué. Ok, à chaque fois qu'on tue un joueur, de toute façon, ça nous donne des dents de requin. Ok, il reste encore une petite, genre 5-6 joueurs. On me tire dessus, j'ai pris quelques dégâts. Il reste... Oh, il fait mal, lui. Hein. Oh, il fait mal, lui. Hop là. Oh là là, regardez la destruction du bateau, là. Bon, ça vaut pas teardown, mais what the fuck, le bateau il part dans tous les sens là. Mais attendez, et qu'est-ce qui se passe? Le bateau qui s'est transformé en sous-marin, c'est quoi ce bug là? What? Peut-être que c'est voulu par le jeu d'ailleurs. Ok, le joueur est là, le joueur est là, le joueur. Et là, il est en train de sauter sur moi, what? Ok, je l'ai eu, je pense. Ouais, nickel, ok. On vient de manger le joueur, il reste encore quelques joueurs. Là-bas, il y a un joueur. Enfin, il y a... Ouais, c'est ça. Il reste encore combien de joueurs, là? 1, 2, 3, 4... Il y a encore 5 survivants. Il nous reste 50 secondes, ça va être chaud, hein. C'est pas sûr qu'on gagne cette game. En tout cas, ça fait plaisir. On aura testé les survivants et le requin. Oh, oh, oh. Évidemment, ça serait cool, mais je pense que dans une future mise à jour, on aura certainement le Mosasaur qui va être rajouté, hein. Je rappelle que le jeu vient de sortir depuis quelques... Bah, peu de temps, en fait. Ok, il nous reste encore 3 joueurs en vie. Je sais pas où ils sont. Là-bas, il y a un bateau. En fait, quand les bateaux sont détruits, je sais pas trop comment tu fais pour repérer les joueurs, à moins qu'ils soient tous les 3 sur le même bateau. Là-bas, il y a un bateau, mais je sais pas ce que c'est. Je vois pas son icône, c'est bizarre. Et du coup, oui, comme le jeu vient de sortir, il va y avoir bah, du coup des updates. Et je verrai, comme d'habitude, en fonction des retours de la communauté. Aïe, 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 si on fait d'autres épisodes sur ce jeu. Et le mot-clé de l'épisode sera... Ah non, j'ai perdu ce rare requin, tout simplement. J'ai perdu, du coup, dites le mot requin en commentaire pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement. Ok, dommage. J'ai fait pas mal de kills, il restait 3 joueurs. On n'a pas été assez rapide avec le requin. On va se faire encore quelques games avec les abonnés en survivant, je pense. Et du coup, c'est parti. Ok, let's go. Du coup, les abonnés ont rejoint mon bateau, c'est cool. On va voir un peu ce que ça donne. Sachant que là, j'ai vraiment le bateau de base. Après, eux, je sais pas exactement. Peut-être qu'ils ont des armes améliorées un peu. Oh, regardez, énorme! On est combien sur le bateau, là? 1, 2, 3, on est genre 6. On est 6 sur le bateau, what? Ok, et c'est le grand requin blanc, c'est parti. Putain, c'est bizarre, il a moins de vie que mon requin à moi tout à l'heure. What? Et pourquoi il y a un bateau qui nous fonce dessus, là? C'est quoi, ça? Conduit bien, ok, bah, on va essayer. On va essayer, alors. J'essaie de dézoomer. Putain, il y a des gens qui sont tombés, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Ok, le requin est là-bas, je pense. Il est là-bas. Go lui tirer dessus. Go, 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 go. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, je l'ai touché. Non. Ok. Faut sauter maintenant. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. On va essayer de gagner du temps. Le requin est juste là. On lui fait des dégâts. Ok, bon. Il m'a eu, mais on lui a fait quelques dégâts. On va voir un peu si ça suffit. Aïe, aïe, aïe. Il y a l'abonné qui vient de se faire bouffer, malheureusement. On va regarder la game. Alors, c'est parti. Il reste encore combien de survivants? On a 5 survivants. Ouah, ça a été rapide. Hein. Je sais pas si c'était une très bonne idée de venir tous sur mon bateau qui est pourri, là. Alors que c'est vraiment le bateau de base. Je pense pas que c'était une très bonne idée, mais c'était fun. Et le fun avant tout, évidemment. On est là pour ça.
En tout cas, il est bien modélisé, hein. Déjà, sur Sharkbite 1, les requins étaient vraiment jolis. Ils étaient beaux. Et là, franchement, il est vraiment très beau, hein. Le skin est vraiment magnifique, pour le coup. Alors, il reste encore deux survivants. Ça va être chaud, hein. Je pense qu'on va perdre la game. Après, le requin a plus beaucoup de vie, hein. Il a vraiment plus beaucoup de vie. 355 points de vie. Ça va être serré, ça va être serré. Peut-être que j'aurais dû conduire un peu plus vite avec le bateau, là. Je sais pas. Après, ce bateau est pas très rapide, hein. C'est vraiment le bateau de base. On va voir, on a bientôt 1000 dents de requin. Faut voir. Il y a peut-être moyen de s'acheter une arme ou alors... Parce que là, le prochain requin, c'est le requin marteau. Et 1400, on n'y est pas encore. Donc peut-être qu'on va tester d'acheter un bateau ou alors une arme. On va voir. Alors, hop là. Il y a un survivant qui est là. Et l'autre, il est là. What the fuck? Avec son bateau licorne, c'est n'importe quoi, là. Évidemment, on peut pas aller sur la terre ferme, hein, sinon ça serait trop facile. Hein. C'est impossible, il y a un mur invisible. Ok, allez, c'est parti. Ok. Il a repéré les deux survivants. Il reste encore 120 secondes au requin. Après, il a plus beaucoup de vie. Je crois qu'il a encore perdu de la vie, je sais pas comment, mais... Ok, oh, lui, il est pas bien. Lui, il est pas bien du tout. Ouais, il devrait l'avoir, je pense. Il devrait le bouffer et le requin a gagné. Ok, bien joué. Ok, c'est parti. On va jouer en survivant et on va squatter sur le bateau d'un abonné. Sachant qu'il a installé une tourelle. Donc en vrai, si on pouvait tester la tourelle, ça serait vraiment cool. Pour le coup. Oh là là, regardez la tourelle. Attendez, comment j'y vais? Oh là là, mais attendez, c'est trop fort. Ah mais oui, en plus de ça, j'ai l'impression que j'ai des munitions illimitées. Ça a l'air trop trop fort la tourelle, hein. On va tester la tourelle du coup, c'est parti, on affronte un grand requin blanc, let's go. Let's go, alors, où est le requin? Où est le requin? C'est parti. Déjà, faut le trouver. Son bateau est stylé, il a mis un skin. Je pense pas que ce soit le bateau le plus puissant du jeu, mais... À mon avis, ça doit être un bateau qui a beaucoup plus de vie déjà que le bateau de base. Alors, où est le requin? Où est le requin? On va voir si on peut gagner. On n'a pas encore gagné une seule game en survivant, hein. Là-bas! Ok, c'est parti! Je le touche pas? Attendez, c'est quoi cette arnaque? Allez, un maximum de dégâts sur le requin, là. Enfin, je sais pas où il est, le requin, là. Oh non, il est sur nous! C'est pas possible, on est maudit! Mais non, mais pourquoi moi? Oh non, le Rama Fail a encore frappé. Oh, je suis deg. Mais en vrai, le requin a bien joué, hein. Il a raison de focus le bateau qui a la tourelle. Oh là là, on s'est fait éclater avec l'abonné. Ok, c'est parti, et cette fois-ci, c'est l'abonné qui sera le requin, j'ai l'impression. Donc on doit quitter. Ok, c'est parti. Alors, bah écoutez, on va rejoindre Riri qui est un autre abonné. Hop là. Oh non, il a pris le canard. Ok, bon. On va voir combien de temps on va survivre, mais ça va être chaud. Sachant que je pense que ça sera la dernière game. Et comme d'habitude, hein, je verrai en fonction des retours de la communauté. Alors, c'est parti. Oh là là, je suis pas serein. Je suis pas serein, je suis pas rassuré du tout, là. Avec le bateau canard, là. Oh, en plus de ça, l'abonné qui a le requin marteau. En vrai, c'est cool, comme ça, on peut voir un peu le skin du requin marteau. Aïe, aïe, aïe. Ça commence mal. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Les abonnés qui font n'importe quoi. Oh là là. Je crois que le bateau canard, ça doit être l'un des plus lents, non? Où est le requin? Ok, il est là-bas, le requin. Ok, je le vois. Après, c'est compliqué d'être précis à cette distance, là. On l'a pas encore touché. Ouah, ok, il prend un peu de dégâts. En plus de ça, il a beaucoup de vie, hein. 1200 points de vie. Ça fait vraiment beaucoup. Ok, il est là-bas. Ah, si je pouvais le toucher à cette distance. Après, le problème, c'est que l'arme de départ est pas très très précise non plus. Il aurait fallu le sniper. Ah mais attendez, j'ai pas l'impression que... Si, c'est bon, ça tire. Je l'ai pas touché une seule fois, le requin marteau, là. Allez, le requin marteau. Allez. Ok, il est là-bas, vite. J'arrive pas à le toucher, il faudrait qu'on se rapproche, hein. On est trop loin. Oh, ok. T'as l'abonné qui lit dans mes pensées, c'est fou, hein. On est connecté, hein. Allez, Riri. Allez. Oh là là, il a trop de vie, ça va être chaud.
Il n'y a plus que 6 survivants, un truc comme ça, c'est la nuit. Oh non, il est où? Il est là. Non. Ah bon, je lui ai fait quelques dégâts, mais... Oh, il est énorme, il est massif, le requin marteau. Il est vraiment immense, hein, pour le coup. Il nous a bouffé tous les deux, hein. Ah, c'est cool, parce que c'est pas facile de gagner, hein, les games, hein. C'est pas facile du tout, alors attendez. Ah mais non, je croyais que c'était un abonné qui était le requin, mais pas du tout, ok. Ok, stylé. Ah, il est vraiment beau, le skin du requin marteau. Hein. Il est immense. Il est vraiment immense. On va voir, du coup, si le requin va gagner. C'est bien parti pour, hein. Il reste encore beaucoup de temps. Il a presque toute sa vie. Il y a 3 survivants. Il y en a un là. Je sais pas ce qu'il fait. Il y en a un là. Oula, bah lui, à mon avis, il va se faire bouffer. Voilà, il s'est fait bouffer. Plus que 2 survivants. Il y en a un avec son bateau qui fait n'importe quoi, là. Peut-être un mec AFK, non? Je sais pas, il fait des trucs bizarres, lui, hein. C'est un bateau amphibie, c'est un bateau sous-marin, là. N'importe quoi, là. Ok, donc il y a encore 2 survivants, c'est parti. Je sais pas si, du coup, les autres requins ont des capacités spéciales. Je pense pas, à mon avis, ça doit simplement être des stats améliorées. Sachant que bah, le requin marteau, 1200 points de vie, hein, donc il a beaucoup plus de vie que le grand requin blanc. En tout cas, c'est beau, hein, les fonds marins et tout, c'est stylé. Alors, ensuite... Deux survivants encore pour l'instant. Ok, ok. Alors lui, je pense qu'il va se faire avoir bientôt. Après, une fois que le requin est sur toi, c'est très compliqué de survivre, hein. Franchement, tu peux gratter quelques secondes si t'arrives à bien jouer, à sauter et tout sur les débris. En fait, il faut faire ça, je pense qu'il faut vraiment sauter sur les débris du bateau. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on refasse un peu des épisodes sur Def. Et je rappelle un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est des plongeurs contre des requins. Le jeu est quand même plus réaliste pour le coup. Et il est cool. Évidemment, ça serait en coopération avec Xeno. Enfin, on joue les plongeurs et les requins ont gagné. Et du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette découverte... Mais si, attendez, en fait, c'était un abonné. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. En attendant, portez-vous bien, jouez bien et peace !